Le secrétaire général du MMM, Ajay Ganesh, s'exprime sur l'affaire Vishnu Lakshminarayudu et Raj Dayal. D'autre part, il déclare qu'il est prêt à assumer n'importe quel poste de responsabilité au sein du MMM. Écoutons ses déclarations. Là, le dossier Alikak, nous espérons qu'Alikak fasse ce travail en toute transparence, parce que nous, dans MMM, nous toujours pas faire confiance, depuis Navin Ramgoulam, nous toujours pas faire confiance à l'ICAC. Nous pouvons veiller à ce qu'il enquête l'ICAC, faire dans toute sa transparence. Et nous demande aussi que ça dit moun qui fin acquise Raj Dayal, qui bien veille à sa protection. Parce que déjà, ce qui nous tendait, qui va une pression fin comment se mettre. Déjà, on dit quand nous lit la gazette, nous trouver qu'il soit avocat peut dire qu'il y a une pression pour mettre un aïe puis faire les tout la case ça dit mon là tout saute qualité pression pour mettre alors nous demande qu'il veille donne ça dit mon là protection parce qu'il nous connaît qui manière aujourd'hui sa politique gouvernement dans nous la main faire pression pour tout l'enquête alors nous pour veiller qu'il peine aucun coverable dans ces affaires Dayal. Mais drôle comme tout comme on finit de dire l'affaire Dayal, c'est qui étonnant et c'est qui la population encore une fois étonné, qui manière Dakarat Dayal, Anirudh Jagannath, avec raison, demande step down, Elini step down, mais qui manière Dakar Vishnu Lakshminarayudu. Nous réaliser Dakar Vishnu Lakshminarayudu à nous guetter toute l'affaire de Lakshminarayudu. L'affaire Lakshminarayudu pas commence avec sa loan de 44 millions d'ali. L'affaire Lakshminarayudu commence avec premier dossier concernant domaine des pailles, le projet Smart City domaine des pailles, Yihai. Le Conseil des ministres, ça aussi jamais vu ça, le Conseil des ministres, dans l'absence de Vishnu Lakshminarayudu, Roshi Badin amène un dossier dans le Conseil des ministres. Les demandes fait vers le Conseil des ministres pour qu'il y ait ce dossier-là à l'ICAC. Et un Conseil des ministres, pas même dire à nous attendre Vishnu Lakshminarayudu, venir pour donner une explication. Le Conseil des ministres prend décision. C'est-à-dire le Conseil des ministres, pour qu'il y ait un dossier à l'ICAC, il faut qu'il y ait satisfait qu'il y ait un case, un prima facie case, pour qu'ils aient envoyé ça à l'ICAC. Voilà ce fait-il qui maintenant est une fuite d'informations qui, Lakshminarayudu, prend un loan de 1,1 million d'euros qui vaut à peu près 44 millions de roupies. Un peu drôle comme coïncidence, parce que Ramoulam aussi, tu prends 44 millions de roupies pour campement Rose Noire. Mais un peu drôle, moi, comment chiffre 44 millions, hein, moi, pas trop comprends qui est arrivé. Alors, Lakshminarayudu prend une loan de 44 millions, loan taux d'intérêt, 1,5% d'intérêt, il y a beaucoup de zones d'hommes là-dedans, 1,5% d'intérêt, et la banque qui tombe sous lui-même, State Bank, ça veut dire tombe sous ministre des Finances, troisièmement, à l'âge de 71 ans, il gagne une loan de 44 millions, ou pis, quatrièmement, il supposait une loan, que so, l'hypothèque pas enregistrée, il est supposé registered under the discretion of the bank. Cinquièmement, apparemment, ça dit bien qu'il y met, loan, qu'il y met en garantie là, déjà en hypothèque à ça même la banque là. Et sixièmement, d'après le banquier, quand on prend loan 44 millions de roupies pour aller supposément investir, pour aller soi-disant spéculer le loan, ben, si on peut prendre 44 millions de roupies, ou garantie, tu bises 1,5 ou même des fois, ça veut dire que tu faisais une garantie à peu près 70 millions ou pire. Ça aussi, ce dossier-là, à l'eau la table de l'ICAC. Et troisième dossier qui a l'eau la table de l'ICAC, côté là, implique le fils du ministre Lakshminarayudu, côté ce garçon, supposément SAIL, une autre filiale qui tombe sous le ministère des Finances, donne un contrat à garçon de Lakshminarayudu. Trois dossiers à l'eau la table, Conseil des ministres, un premier ministre, dans le cas d'Ayal, lui demande lui step down, et dans le cas de Lakshminarayudu, lui pas demande lui step down, mais vraiment, comme tu causes, il y a un guilo sous Ross là. Vraiment, il y a quelque chose qui n'est pas correct, qui peut faire. Soit Anirudh Jagannath, vraiment père, qui vise Lakshminarayudu démissionner, et il y a une élection partielle, et il n'admet lui. Anirudh Jagannath, il n'admet, il peut faire tout pour essayer d'éviter une élection partielle. Alors, ou pas capable d'un pays. Quand tu prends, ou tu viens dire pour nettoyer le pays, ou tu viens dire pour faire différent avec Ramgoulam, ou tu dis la population qui a un tandem, Vishnu Lakshminarayudu et Anirudh Jagannath pour un miracle économique, ni miracle peut venir, ni nettoyer, au contraire, un paquet d'affaires, aujourd'hui la population peut connaître. Et moi aussi,
Moshia qui est dans les autres quelque chose en complication. Et Moshia, selon la conversation qui nous tendait, qui manie un ministre aussi badé causé dans certains milliers, li débet ministre gouvernance qui connaît li qui est dans sa gouvernement là. Côte côte et non, zodi, ban quelque chose peut passer. Et Moshia, comme dit Koza, ça n'est qu'un commencement. Et dans les autres scandales qui peuvent venir, et l'opposition nous peut tenir nous prêts, nous avons un dossier. Ban les autres scandales, c'est pas, comme dit Koza, ça c'est un commencement. Et il y a aussi un commencement de la fin de sa gouvernement. Parce qu'ils ont promis pour faire le contraire de Navin Ramgoulam, ils ont trahi confiance à une population, tout un peuple. Fin trahi, parce que la population tient à vos yeux pour faire le contraire, fin abuse de confiance de sa population là, la réveille pour sa gouvernement là, pour bien bien brutal, et aussi à qui la population n'a pas pour ce qu'ils ont là. On sait qu'il s'agit du leadership du MMM, le leadership du MMM très solide autour de camarade Paul Béranger. La question de prendre le leadership de Paul Béranger après Paul Béranger, laisse d'abord me préciser. Camarade Paul Béranger n'a beaucoup banané devant lui. Il y en a beaucoup banané pour servir sa pays là et pour servir son parti, le MMM. Évidemment, nul n'est éternel l'eau la terre, nous tout connaissons, ça dicton là. Et Paul Béranger nous a dit qui dans son parti, ça a fait dynastie là, n'a pas y'en a. Nous n'a pas ban comme les autres partis, qu'autre dynastie rien. Dans le MMM, c'est ban l'instance du MMM, au moment voulu. Quand pour arriver solaire, c'est ben l'instance du MMM, le bureau politique, le comité central, l'assemblée des délégués qui pour choisir la personne au moment voulu qui pour capable remplace, qui pour capable prendre le leadership de Paul Béranger. Remplace Paul Béranger, moi par quoi vraiment, à nous dire, lui, honnêtement, avec l'histoire qui derrière Paul Béranger, avec sa qualité, avec l'expérience qui est là, avec ce sens de leadership. Bon, pas quoi, vraiment remplacer, mais pour prendre le leadership du MMM, arrive le moment voulu, c'est ben, l'instance pour choisir. Et le MMM, il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs camarades qui sont capables d'assumer sa responsabilité là. Mais moi, laisse-moi dire, moi, un serviteur du parti, n'importe qui position le parti pour dire, moi, servir le parti ou servir le pays, je suis prêt à faire ça. Mais. Comment on aurait dit, laisse-moi résumer, camarade Paul Béranger, il a beaucoup banané encore devant lui, le pays Bizanli encore beaucoup banané, le MMM Bizanli encore beaucoup banané, et en temps voulu, le moment venu, les MMM pour choisir, et si le parti, dimanche, assume n'importe quel type de responsabilité, moi, je n'ai aucun tracas, et moi aussi, les autres camarades aussi, et non, sa potentiel.